Et tout le monde était Non. prêt, t'es sûr de ton coup là? Ah, ouais, il a dit qu'il était pas prêt. Il m'a dit si, oui. Je suis prêt, yop. Ok. On a combien? Et. Bah, 10, 11, 12. Non, t'es sérieux? 13, 14, 15. Y'en a vraiment qui avait pas commencé le PC? C'est bon. 18, c'est bon. 19. Bon, bonjour à tous, nous voilà pour le 24ème épisode de Ocarina of Time. Putain, on s'est renommé Ocarina of Time. Ryan vient de faire une intro. Bah ouais, parce que tout le monde disait que de la merde. Alors Ryan vient de faire bonjour aux gens. Non, oui. Non, Ryan vient de faire la première vraie intro de Poulet Yéli. Non, j'en ai déjà fait. Je pense qu'il faut qu'on la refasse. Quoi? Ouais, c'est pas fait d'avoir une bonne intro, on recommence, on fait une intro de merde. Non, mais. Donc, le temple de l'eau, voici la princesse Zora en version adulte. Elle est nue. Et Shake, j'ai pas ma carte. Et pourquoi est-ce qu'elle bouge ses nageoires comme ça? C'est pas ses nageoires. Parce que sinon elle meurt. C'est son cœur qui bat. C'est comme l'autre Pokémon qui peut pas vivre si jamais il rebondit pas. Spoink. Poink, poink. C'est comme Spoink, mais Spoink. Ça Spoink. Spoink. Juste pour vous le dire, j'ai retiré toutes les scènes de menu. Putain, t'as dû faire un sacré montage. Oui. Ah, tu t'amuses bien. Donc, ce temple est 20 minutes plus court. Tant que ça, okay. Putain. Je rigole pas. Tu me diras sur 8 heures de temple, ça va. Non, il dure que 4 épisodes de genre 10 minutes. Non, 3 épisodes de 10 minutes. Quoi. Mais tu l'as quasiment réduit par 2, quoi. Ok, très bien. Yes. Ouais, arnaqueur et tout, il coupe le contenu en deux, quoi. Non, mais what the fuck. Ok. Seems legit. Je suis pas. On gagne moins d'argent. Ouais, bah, tu devais pas couper les menus. Qu'est-ce que oublié celui-là. Ah non, que vous les menus où on change de bot. Quoi tu fais un pour allumer des flammes. J'ai cherché un cheat code qui a jamais été release en fait, qui permet de changer les bots juste en faisant L et touche sur le D-pad, ou juste une touche sur le D-pad. J'ai trouvé une vidéo, pas trouvé le cheat code par contre. Ça aurait bien fait chier, ça aurait simplifié ma vie. C'est quoi ces bestioles là? C'est des... Alors, c'est pas lourd, mais faut que tu les tues comment? C'est pas lourd, c'est des huîtres. Oui, c'est pareil. Des huîtres, c'est okay. C'est des huîtres d'Hyrule. J'ai pas vraiment envie de les manger. Enfin, ouais. T'inquiète, ouais. Bien cuites, elles ont beaucoup de viande. Non, en même temps. Ouais, bah y'en a un peu trop, justement. Oh, un petit coffre. Tu mets un coup de pied dedans, c'est délinquant. Mais non, c'est plus simple pour son dos. T'as vu le bouclier qu'il porte? Ouais, je suis sûr que c'est en connerie de métal légendaire, ça doit être super léger. Ouais, genre le Vibranium. Le Nintendonium. Le Vibranium. Ouais. Le Nintendium, c'est ça. C'est l'élément le plus rare qu'il y a sur Terre. Ouais, c'est aussi un truc qui n'existe pas. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je suis par là, ça sert à rien, donc je l'ai retiré. Et Vera, qu'est-ce qu'il fait, Iron Man? Ah oui, monsieur, je crée un élément. Bah oui. Oh non, j'ai visité un laboratoire, enfin, oui, comment ça s'appelle? Un centre de recherche l'autre jour, et bah ils essayent de créer des éléments. Enfin, les éléments lourds, quoi, genre le... Actuellement, on va jusqu'au 118, si vous avez regardé ma vidéo scientifique. Non. Attends, dans Iron Man, il a vraiment créé un nouvel élément du tableau périodique? Bah, non, ouais. C'est des conneries. Bah oui, non, mais c'est des conneries, mais... Genre... Non, même dans le contexte, quoi. Certes, une molécule, mais certainement pas un nouvel atome. Bon, enfin. Voilà quoi. Ouais, voilà. Surtout en faisant un accélérateur à particules avec deux tuyaux en tôle dans son garage, quoi. Ouais, il avait pas un miroir. Et qu'il a redressé avec une camionnette. C'est vrai. Non. Il a surélevé avec le shield de ouais. De l'autre connard. D'Iron Man. Non, pas d'Iron Man. De Captain America. Bah oui, de Captain mais non, America. C'était une putain d'horloge. Non, c'est un truc. C'était son bouclier. Ah ouais, c'est le bouclier d'un Captain America. C'était peut-être un chat. Un chat. C'est legit. Miaou. Il a
Je fais sa plateforme avec un chat. Qu'est-ce qu'il chante, Thibaut? Hey, Pona! Ah, il y a Megan qui est de retour. Non. J'ai pas putain, vraiment je sais pas tout couper. Oh mon dieu. Voilà. J'en ai fait. Mais en même temps, on n'est pas connu pour notre professionnalisme, mais comme dirait. Pas faux. S'il. Bah non, on est connu pour nos grosses conneries et nos. Hey, Pona! Et pour l'intro du 9.3. Hey, Pona! C'est vrai. Qui restera pendant longtemps comme la meilleure. À jamais dans les annales, oui. Des annales, oui, peut-être. J'adore. La prostate magique! Pardon. Tu me dégoûtes. T'es sûr que t'es vraiment. Que tu t'excuses vraiment? Je suis pas très certain. Mais... J'ai pas le connaissant, non. Là, tu dis pardon, mais je suis pas sûr que tu sois vraiment désolé. C'est nous qui sommes désolés. Ah, cet échec, tout le monde l'a vu. T'aurais pu le couper, oui, hein. C'est pas comme si t'avais déjà coupé 20 minutes. J'avoue. Je déteste cet emploi. Et donc là, tu dois viser avec ton grappe. Ok, super ce jeu. Ah, mais c'est Ocarina of Time, hein. C'est le jeu qui a été le plus mal noté de toutes les Nintendo 64. Bah, ouais, clair, c'est pas le prédécesseur de presque tous les jeux d'aventure, ouais. C'est celui qui a été le plus mal noté des 8 jeux de Nintendo 64 qui sont sortis. Attends, y'a eu que 8 jeux sur la Nintendo 64. Goemon, Pokémon Snap, Super Mario 64, Pilot Wars, Mario Kart, Majora's Mask. Non, mais déjà, personnellement, je n'ai jamais voulu jouer au Ocarina of Time, donc ouais. Je te comprends. C'est pas un prérequis en fait pour commenter du Ocarina of Time, hein. Complètement, non, mais... moi non plus j'ai jamais fini Ocarina of Time. Non, mais j'ai jamais touché quoi. Bah. N'empêche, moi j'aime Link. Quand il essaie d'avancer par devant, il est super lent. Par contre, s'il essaye d'aller par derrière, il marche plus rapidement. Avec les bottes. C'est parce qu'il aime bien se faire du mal, c'est. Faut pas sortir du contexte. Avec ses bottes? Non. Il préfère s'échapper à aller en avant, tu vois. Non, c'est. Non, il aime pas la bataille. Non plus. Le mec qui attend, vas-y ouvre-toi saloperie de coquillage, je vais te défoncer le cul. Quoi attendre que la moule soit ouverte pour mieux la pénétrer. N'est-ce pas? Link voulait défoncer la moule. Parce qu'elle était pas lourde. Oh merde. Moi j'aime bien. J'aime bien, t'as des cœurs qui traînent par terre, genre t'as une paix, y'a des cœurs par terre. Putain, mais Shuka, t'es une vieille merde en fait. Bah, tu vas en foutre, c'est vrai. Ouais. Je t'invite à faire un playthrough de ce jeu. Non, un ça suffit. Enfin, un demi pour l'instant, mais. Peut-être que dans 3 ans, on est fini, hein. Attends, mec, on va fêter l'anniversaire de la chaîne. Nuzlocke, les Nuzlocke Challenge, ils sont pas encore finis. Mon dieu. J'avoue, y'en a même pas un par semaine. Non, en moyenne, alors il y a des fois où il y en a un par semaine, ou des fois, deux par semaine, des fois il n'y en a pas pendant 3 mois. Genre, avant je l'ai regardé. C'est comme Pokémon Platinum. Il y a eu trop de disparités entre les diffusions, du coup j'en ai eu marre. Et du coup je sais même plus où je suis rendu. Ouais, c'est pas grave. Tu recommences depuis le début. Je crois que c'est l'épisode 2. Ouais, non. De toute façon, ce qu'il faut dans ce genre de série, c'est attendre que ce soit fini en fait. J'ai commencé maintenant, je vais pas recommencer. Ouais. Tu recommences à faire chier. Je te comprends. Parce que déjà que se taper tout ça, c'était. Voilà. Ah, ok. L'épisode c'est quelque est chose fini. Quand même. Tu peux le dire, c'était chiant. Ah, l'épisode est fini. Ciao, à la prochaine, bisous sur les fesses. Ciao. Ok, salut. Ciao.